Non. Oui. Regarde. Regarde, y'a qui? Je suis trop fan! Regarde! Je suis trop fan! Ouais, je regarde, je vois personne actuellement. Quand... Ah. Tu vois, mon cerveau, il... Ah, mais c'est... Mais c'est Ferus Jumper! Regarde, ça se voit pas sur mon visage, mais je suis heureuse! J'ai toujours voulu... Moi aussi, ça se voit pas à travers mes lunettes, oh mais... Oh, Ferus, une photo, s'il te plaît! Furious, tu nous entends? Furious! Pourquoi il nous snob, mais... là, wesh? Ah, peut-être parce qu'il y a une vitre et qu'il nous entend pas. Wesh, on sait que t'as des millions d'abonnés, et moi j'ai 7000 abonnés, mais quand même, c'est... faut prendre des photos avec les gens, moi je suis le plus grand fan. Furious, fais de la pub pour nous. Fais de la pub pour nos chaînes, s'il te plaît. Attends, mais je crois qu'il est concentré, il est en train de lire le panneau qui est juste devant. Viens, on lui demande un autographe, genre. Vas-y. Oh, attends, on prend une vidéo avec. Comme ça, on met ça sur nos chaînes YouTube. Moi, mais attends, regarde, derrière la fontaine, c'est quoi ça? Attends, je vois pourquoi pas très bien. Pourquoi il y a un monsieur qui fait l'amour à un resto, là? Oh, je crois qu'il veut un menu Big Mac. Johnny. Ah ouais, c'est pas qu'un Big Mac qu'il veut, là, apparemment. Ah, il veut grailler bon, la serveuse avec. Bon, vas-y, moi, je veux aller voir Ferus, moi. Hey, Ferus, je suis ton plus grand fan. Je veux une photo. Ferus, réponds-moi. Mais pourquoi il me répond pas, Kensel? Attends, je crois qu'il y a un énorme fan qui arrive. Ah ouais, ah c'est un fan de 2 mètres. Ouais, il court bonjour, un petit monsieur. Peu vite là, le fan. Bon, je te laisse avec le fan de faire. Il fait peur, ce fan. Ouais, mais il veut quoi? Monsieur, écoutez, Ferus Jumper n'est pas opérationnel pour prendre une photo, laissez-nous tranquille. Je crois qu'il a un costume, ça doit être un fan qui a un costume, ouais. Lui. Ce qui est... Il fait des cosplays et tout. Et oui. Par contre... Ah, mais c'est avec nous qu'il veut prendre une photo. Ouais, je sais, c'est moi le youtubeur non, ouais, effectivement. Ouais. J'espère que tu t'es abonné à la chaîne et que t'as activé les notifications, parce que, ouais, effectivement, je suis le plus grand youtubeur du monde. Là, il y a une petite youtubeuse à côté de moi, tu vois, c'est mon petit poulain, je l'apprends le métier tous les jours. Ah, il veut vraiment une photo, le bougre. Ça va, Kensel? Je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais j'ai reçu une énorme gifle. Je crois qu'il contrôle pas ses bras, là. Je crois que le fan, il a le bras long. Mais qu'est-ce qu'il fait, le monsieur, là-bas? Bonjour, monsieur. Pourquoi il pointe son arme, là? Je sais pas. Mais pourquoi il est dans la cellule le fake? Au pire, on peut aller lui demander. Vas-y, on va le voir. Il faut lui dire que là, il y a un fan de Furious, il est un peu énervé, il m'a frappé. Hein. Bonjour, monsieur le policier. Bon, je vais vous mettre juste à côté ici, comme ça, si au cas où vous tirez, c'est pas sur moi. Bonne idée, ouais. Écoutez, j'ai une petite question. Il y a personne en ville, là, et il y a Furious Jumper dehors, et il y a un fan un petit peu bizarre qui a giflé mon ami juste ici. Du coup, on aimerait bien savoir ce qui se passe. Je sais pas si vous savez, mais je suis Quinzel, une grande youtubeuse, donc franchement, c'est un scandale que je me fasse frapper alors que je voulais juste m'approcher de Furious Jumper. Oh, écoutez, les petits jeunes, là, se faire frapper, c'est pas la chose la plus importante, comme vous voyez avec mon visage, mes yeux, qui est un regard assez lointain. Je suis sur mes aguets. Et pourquoi vous êtes sur vos aguets, monsieur? C'est un mot que je connais pas, d'ailleurs. Quel est-ce, moi, là, le monsieur, il est bizarre. C'est votre travail, là. Faites votre travail, faites votre job, non? Écoutez, les petits jeunes. S'il fait nuit à Brookhaven et qu'il y a personne en ville, c'est pas pour rien. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Poppy Playtime. Dedans, il y a un monsieur très très méchant qui s'appelle... Oogie Woogily. Et d'accord. Il a tué toutes les personnes de Brookhaven. C'est pour ça que je me cache ici quand tous mes collègues se sont fait descendre. On l'a tiré dessus et même les balles, il meurt pas des balles. J'ai très très peur. À quoi ça sert que vous teniez votre pistolet s'il meurt pas des balles alors?
Et c'est pour me rassurer comme je peux. Y a plus de munitions dedans d'ailleurs. C'est comme mon petit dodo quoi. Je le serre contre moi. Des fois, le sort la nuit. Je le pose à côté de mon bureau. Je le regarde avec un regard très sensuel, mon petit. La ville est en danger, ok. C'est pas mon pistolet qui est en problème. J'ai un petit fait pour mon pistolet. Mais il faut arrêter de parler mon pistolet à un moment. D'accord. Bon, ouais, monsieur. Bon, je pense qu'on va vous laisser avec votre pistolet. Ouais. Eh, bonne force à vous, hein. Soirée avec votre pistolet. Ouais. Bizarre. Ils sont bizarres. Comment ça? Par contre, c'est quoi cette histoire là où les gens ils sont morts? Je sais pas. Regarde. Mais il est passé où, Furious? Ah, il est là. Mais je crois que c'est l'ami de Furious, ça, hein, parce que. Mais c'est peut-être son garde du corps. C'est pour ça qu'il m'a frappé quand je me suis approché de lui. Attends, mais regarde son visage. Regarde les dents qu'il a. Il a parlé de quoi, le flic? Attends, l'histoire de Poppy Playtime. Ah, l'ordi, il y a la connexion ici. Oh, Poppy Playtime. C'est comment le nom qu'il a dit? Oggy Wogly, c'est ça? Oggy Pogoli. Oggy Pogoli. J'ai un. Non. Ferme cette page. Oh mon dieu, mes yeux. Cette page. C'est bon. Là, j'ai la bonne page. Oggy. Oh mon dieu. Mais c'est un monstre, ce truc. Attends, c'est vraiment... Oh, mais en fait, c'est pas un costume. C'est pas un costume. Regarde ses dents, c'est des vraies dents. Regarde, il a du sang qui coule de ses dents. En même temps... Chef. Il est un peu con. Chef. Voilà, bien fait. Wesh. Ah bon, écoute, attends. Du coup, l'histoire est vraie. C'est que vraiment... Mais il fait nuit, en plus. Genre, il y a plus de... Ça veut dire quoi? Il faut qu'on survive jusque la journée? Est-ce qu'il va... Bah, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cycle jour-nuit. Regarde, la lune... Ah si, la lune, elle descend, en fait. Il est en train de nous stalker. En plus, il t'a foutu une gifle, c'est que vraiment, il doit être méchant. Il a réussi à me foutre une gifle à travers la vitre. Franchement, j'ai vu sur la page web, là, apparemment, c'est un animatronique qui a pris vie, en gros, un jouet qui a pris vie, quoi. Et... Et il y a des espèces de gardiens dans un fabrique de jouets et il les a tous tués. Ah merde, coup, mais qu'est-ce qu'on fait, Non? Mon dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas, ça me fait un peu flipper cette histoire-là. Moi, je sais pas, Furious Jumper, lui, regarde, il est vaillant, lui. Il est là, il est serein. Bon, écoute. Non, mais moi, je te dis, c'est son garde du corps. C'est obligé, c'est son garde du corps. Sinon, il aurait déjà frappé comme moi. Il le frappe pas. Soit c'est son garde du corps, soit c'est un énorme fan. Écoute, Kenzel, dans ma vie antérieure, j'ai déjà venu dans ce commissariat et dans la cellule. Me demande pas pourquoi, Kenzel. J'ai un background, ok? Du coup, viens, suis-moi. J'arrive. Est-ce que c'est ici? Oui. Hop. Hop, viens, Kenzel. Oh mon dieu. À vous, tu as déjà été incarcéré, Enon, pour savoir qu'il y avait une trappe ici. À vous! Non, pas du tout. Tu es un repris de justice! Délinquant! Attends, c'est pas ici, c'est ici, Kenzel. Ah, tu connais très bien ce commissariat, je trouve, quand même. Non, pas du tout. Hop, je dévisse la grille. Bon, là, va falloir courir très vite parce qu'il va venir nous chercher. Allez, viens, Kenzel! On va où, Kenzel? Où est-ce qu'on va? Pas à l'école! Surtout pas à l'école! Non! Surtout pas à l'école, je retournerai en prison sinon! Je préfère mourir que d'aller là-dedans! Ouais, moi aussi. D'ailleurs, j'ai pas le droit d'approcher des écoles. Il me fait penser au collègue de TK78, Kenny. Il a la même corpulence, Kenzel. Il a peut-être juste envie de jouer. Vas-y, va jouer avec lui. Il a l'air très très sympa avec ses grandes dents et ses grands yeux, là. Bonjour. Est-ce que... Pourquoi vous parlez pas, monsieur? Je crois que il a mal au bras. Ouais, c'est pas que au bras qu'il a mal, c'est au cerveau, apparemment. Monsieur, est-ce que vous allez bien? Vous voulez des... Quelque chose? Des gnocchi? Ouais, des gnocchi... Écoutez, monsieur, je vois que vous avez un problème avec les jouets qui sont ici. Ah, avec votre grosse tête, là. Ouais. Monsieur, vous êtes à côté de la crèche, monsieur. Vous êtes un peu bizarre comme personne. Vous faites peur aux enfants.
Bon, pas plus bizarre que le mec qui est à l'intérieur de ce commissariat, mais vous êtes bizarre, monsieur. Bon, écoute, moi, monsieur, écoutez, venez, venez, monsieur, je vais vous faire un petit câlin, je vais vous prendre le bras, monsieur. Bon, écoutez, ça va bien se passer. Oh! Et que s'est-il passé? Non! Enzel! Non! Enzel! Mais par quelle force du Saint-Esprit t'es-tu retrouvé là-haut? Je sais pas, mais il a volé mon innocence, Kenzel. Il m'a fait des trucs pas bien, C'est pas bien! Kenzel. Et ne restez pas devant cette crèche si c'est pour faire des trucs pas bien! Oui, c'est pas bien d'être pas bien dans la vie. Kenzel, cours! Les amis, je me suis retrouvé séparé avec Kenzel. Je Oh sais mon pas Dieu! quand je vais la retrouver. Eh bien, je suis Si au juste cas... derrière toi, non! Ah! Même si elle est derrière moi, si au cas où elle meurt, sa chaîne me reviendra, sachez-le. Je n'ai jamais signé ce contrat! Désabonnez-vous chez Kenzel et abonnez-vous chez None parce qu'elle est bientôt morte. Vous voyez, elle nous entend même plus parce qu'elle est plus de ce monde. Quoi? C'est Mais un je suis fantôme que vous derrière! voyez derrière moi. Quoi? Vous voyez, on entend encore sa voix. C'est pas du tout elle. Faites pas attention. Non! Ah, mais t'es Mais là en t'as. fait. Il y a le monsieur qui veut te parler! Non, non, il court bien Il veut te derrière dire là. un secret à ton oreille. Non, j'ai pas envie. Moi, il m'a volé mon Vite, viens dans la innocence. grange. Il y a une grange. Ah, vas-y, go. Mais il rentre dans la grange, il est assez grand. Ah, Mais on il y va a un monter au-dessus, au pire. escalier. Enfin, non, il n'y a pas d'escalier, il y a une échelle. Vite. Écoute, Kenzel, apparemment, ici, on ne sait Quoi? pas monter les échelles. On Ah! nous a pas appris. Ah oui! Ah non, c'est Ah! bon, Kenzel, on sait monter les échelles. Ah, il passe pas! Boule nulle! Ah ouais, tu passes pas, on est trop fort, hein, t'as vu ça? Si. Ah ouais, ah, tu nous as Ah donné des bah tiens, gifles, du nous coup, on va se venger. Écoute-moi bien, le petit que Regarde. t'as à Gla, il va revenir. Ah ouais? Regarde, il se tape le front, ce bouffon. Voilà, le petit que t'as à Gla, il va revenir plus fort, tu vas voir. Oh, on peut sortir ici. Et Par du contre, il coup. court vraiment très très vite, hein. Je suis fatigué là. Il m'a fait courir, j'ai jamais couru comme ça. T'as des auréoles sous les bras. Ah, j'ai au moins perdu 30 kilos là. Ah ouais, bah c'était pas plus mal, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'étais un petit peu rond. Mais moi, j'aimais bien d'être un petit peu rond. Il faut qu'on s'enfuit de Brookhaven, tu entends? Bon, Il faut qu'on écoute-moi se bien, barre. Kenny. TK78 t'a peut-être laissé. Mais nous aussi, on va te laisser parce que t'es nul. Mais attends. Il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on aille là où il y a le. Oh, je sais, là où il y a Ça? le drone là qui vole là. Il faut qu'on prenne le drone pour se barrer de Brookhaven. Ou bien non, on va à l'avion. Viens, on va à l'aéroport, on Ouais, va prendre vas-y, l'avion. vas-y, l'aéroport. Ouais, t'as raison, il faut qu'on se casse d'ici. En plus, il n'y a plus Je pense qu'il personne. nous a pas Au vu. Grange, là, Regarde, y avait il. une. Ah, oh, il nous a vu! Il nous a vu! En plus, au Grange, il y avait une famille que j'aimais bien, ils étaient tout gentils. Il les a tués. Ah, donc Il n'y ce a plus n'était donc personne en pas du ville. ketchup. Ouais, j'ai goûté, c'est pas du ketchup. Merde. Ah, juste. Kenzel, cours! Monsieur, arrêtez de nous courir derrière, voyons, enfin. C'est quoi que vous nous voulez en fait? Je ne comprends pas. Tu vois la dernière fois, on a fait du jump, ça va nous servir. C'était pas pour rien. Hop, aïe. Ah, tous nos entraînements. Enfin, ça servira à quelque chose. Est-ce que le monsieur il sait jumper aussi? Il sait Oui, jumper! Il sait jumper! le monsieur sait jumper. Comme Ferus Jumper, abonnez-vous pour cette blague de ce jeu de mots. Vite, embarque, il faut qu'on embarque le jumper avec nous. Je suis tellement une bonne abonnée que je me rappelle plus de son place Écoute, complet. C'est le Furious, je stress. t'aimais bien. T'étais vraiment cool comme youtubeur. Mais malheureusement, chacun Réveille-toi, pour sa peau, Furious! chacun pour sa peau, je prendrai tes OP à ta Tiens, place. réveille-toi, Furious! Ah merde! Je l'ai giflé, il a pas Kenzel. réagi. Tant Vite, pis pour Kenzel. lui. Kenzel! Mais C'est. c'est. Mais. Mais. Mais pourquoi il y a un chauve par terre? C'est mon frère jumeau. Oh. Ah! Ah! Mais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il m'a projeté un truc dans le cerveau, j'ai vu son visage en grand. Chef, Ouf. tu peux pas venir ici. Attends, il a tué mon frère Kenzel. Son corps, sa dépouille est encore chaude. Bah écoute, Mon hein. frère. C'est comme ça, hein. Au moins tu Mon seras le frère seul dans chaud. ta famille pour l'héritage. C'est pas plus mal, n'est-ce pas?
Et mon petit frère, tous les matins, je me levais. Je caressais son petit crâne luisant, qui me faisait penser aux mers méditerranéennes. Son petit crâne. Mais tu as bien fait, finalement, de ne pas te raser le crâne, tu vois. Le résultat, il est pas... concluant, hein. Je sais pas pourquoi il s'est rasé la tête. Il s'est pas rasé, il est né chauve. T'es sûr que c'est pas plutôt le monstre bleu, là, qui lui a graillé ses cheveux? Non, je te jure, il est né chauve. Depuis qu'il est petit, il est chauve. Ah, bon, bah, fallait c'est bien héréditaire. Que l'un des deux... Ouais, ah. C'est héréditaire, elle a eu ça de ma mère. Ta mère? Ouais, elle est chauve. Ah, celle qui fait les pubs pour les produits Ajax, là. Monsieur Propre. Exactement. Elle. Exactement, d'accord. T'as tout compris. C'est pour ça que tu vois, quand elle passe la CPR, elle a un sacré boule. Bah, c'est parce que c'était Madaron, quoi. Bon, on va prendre cet avion. Je vois que ça te dérange de parler de Madaron. T'as des trucs à me dire, Kenzel? Écoute, la dernière fois, elle m'a mis un dislike sur ma vidéo, donc j'ai un peu le seum et je lui en veux, tu vois. En même temps, t'es une mère, t'es le fils. Mais tu sais qu'elle m'a laissé un commentaire, en plus, ta mère. Ah bon, elle a dit quoi? Elle a dit, faut pas que tu dises à mon fils, mais je l'aime pas. Quoi? Ouais. Et elle m'a dit, je l'aime autant pas que ta chaîne YouTube. Ce temps, maman, si. Et elle a dit... Moi, je vivais dans une réalité où tout le monde m'aimait. Et fait, elle a non. dit que de toute manière t'as été adopté. Et que son seul fils il est chauve. Papa? C'est toi? Ah. Avance un petit peu. Avance un petit peu. Il a envie de... Regarde, mets ta main sur la vitre. Il va mettre la main sur la vitre. Je pose ma main sur la vitre. Papa, c'est donc toi? Non, je pense pas que c'est lui mon papa, parce que je n'ai pas 5 rangées de dents comme lui, tu vois. Oui, mais je trouve que, tu vois, regarde, sa pilosité faciale est de la même couleur que ta pilosité crâniale. Donc, c'est vrai, c'est pas faux. Possiblement ton... En fait, c'est peut-être ta mère, en fait. Les amis, aidez-moi, je dois retrouver mon père. Est-ce que c'est Oogie Boogie, mon père, pensez-vous? Parce que j'ai des mèches bleues comme lui. Ouais. Moi, je dis que oui, tu as les cheveux bleus, il a les cheveux bleus. Mais toi aussi, t'as des cheveux bleus, Kenzel. Non. Si. Non. Si. Mes cheveux sont de couleur océan. Ils sont bleus. L'océan non. est dans quelle couleur, Kenzel? Il est turquoise. Ok, on va prendre cet avion. Bon, écoute, Kenny, force à toi. Je sais pas pourquoi t'as tué tout le monde à Brookhaven. Nous, on aimait bien ces gens ici. On faisait des tournages avec eux. On faisait des vidéos drôles avec eux. Et toi, t'as totalement tué tout le monde. T'es méchant. Et c'est pas non, bien. Non, est-ce méchant. Que tu viens d'entendre la même chose que ce que j'ai entendu? J'ai rien entendu. L'avion vient de décoller. J'ai entendu l'avion décoller. Vite, non! Attendez-nous! Cours, attendez-nous! Non! L'avion, on en est parti! Ils ont fermé le chasse! Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez s'il la porte! Il y a Oogie Boogie qui veut nous tuer! Vite! Pour un peu s'échapper de Brookhaven! C'était le dernier avion! Non! L'aide. Bon, vous voulez quel menu? Menu, ok, Big Mac. Attendez, je vous fais ça tout de suite. Vous voulez quoi? Du poulet? Titre de okay. la vidéo. Je sers Oogie Boogie au drive. Vous voulez oh, d'accord, non mais... Comment ça, vous avez pas d'argent, monsieur? Je peux pas vous donner votre menu sans votre argent. Non mais ça écoute, va pas ou quoi? Kenny, tu vas pas faire genre avec toutes tes vidéos, hein? Ou tu te caches dans des frigos? Regarde, et fais pas genre le mort. Ah! Non mais sérieux, il a fait genre le mort pour pas payer son addition. Non monsieur, Attends. Je l'ai dressé là. Let's go. Moi je suis bon. Daenerys version Oogie Pogoli. Tout à fait. Bon, écoutez, les amis, si on survit, vous aurez prochainement une nouvelle vidéo de nous. Du coup, ajoutez la cloche de notification pour avoir la notification. Abonnez-vous à Kenzel, qui est la meilleure des youtubeuses, ouais, on ne ouais. dit pas assez, ouais, la meilleure. Ouais. Et mettez ouais. des likes à cette vidéo sur la chaîne de Kenzel. Et abonnez-vous aussi à moi, parce que voilà, c'est la S les gars, hey, ça mange des pâtes tous les jours. Et, ouais, et mettez un like aussi.
Et on regarde toutes les playlists, hein. Ah ouais, tout. Bon, en tout cas, les amis, sans déconner, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre d'autres trucs du style comme ça qu'on pourrait faire dans les commentaires. C'était Noun et Kenzel, vos deux youtubeurs préférés. Ciao, ciao. Bisous.